Bonjour à tous et bienvenue sur l'espèce de Dragon Quest 8. Donc on est parti pour Pickham. Après avoir résolu le problème du roi de Asenta. For some, isn't it? No doubt King Pavan treated you to plenty of fine food and drink, you lucky toads. The princess and I have been waiting, you know, stuck here outside town. And Medea isn't much for conversation these days, I know how you feel, Grandad. If only you weren't so green, eh? Maybe we could get you into town and you could have a drink or something. I ain't exactly a looker myself. I know what it's like to be discriminated against. Wake up. I've got an idea. The town I used to live in ain't too far south of here. How about we head off down there, eh? Sure, Pickham ain't no rose garden, but it's in the middle of nowhere, right? Even a strange old geezer like him would fit in, no problem. Old Grandad here'll be able to get himself a drink. And we might get a clue about where that dull Magus has got to and all. There's a bloke there who knows everything about everything. We call him Brains. He's a mate of mine. He'll know something, dead sir. See? Two birds with one stone, eh? I ain't just a pretty face. Come on, let's get going south. Pick up. Allez, go. Finalement, je peux faire quoi?
Ouais, puis j'ai déjà été ici.
s'agit d'un journal d'un marchand d'armes. Cher journal, une rumeur circule en ce moment à la taverne. Apparemment, il est possible de transformer un simple fouet de cuir en fouet de serpent en utilisant une hache marmite. Il paraît qu'il suffit d'un fouet et d'un objet doté d'écailles. Je me demande si j'ai une arme avec des écailles dans mon magasin. J'ai vraiment hâte de vérifier demain. Il passe la nuit.
ça serait bien qu'il lâche des bâtons de cyprès. Dit rien. Ici, ça va être une quête des monstres célèbres. Qui va commencer? Speak, I listen. Allow me to introduce myself. I am Mori. Here, I borrow my ears to the wind. Someone magnifico come here soon. So, ragazzo, you are a traveler, sì? Then I ask you one favore. Here, take this. When we have finished talking, you take a look at these members, eh? Each one has written on the informazione of the notorious monsters. Find them, fight them, send them to me! It is not to worry, ragazzo. For you, it will be a slice of cake. I see it in your eyes. Buona fortuna and good hunting! Ok. La note de numéro 1, smiley. Donc celui-là, je peux pas le faire. Armor. Je pourrais le faire, mais je vais attendre. Aussi, lui aussi, il n'est pas si long que ça. Thank you.
Angus. At least you were right about something. No one here so much as bats an eyelid at me. So, the pub awaits. I'll go on ahead, and I wouldn't want to get in your way. You go and find this Brains fellow. I'll be waiting for your report. Waiting? Boozing more like. Come on, Cub. Let's forget about him and head over to Brains's. Some of us have got to keep our minds on the job, eh? We've got to find that Dalmagus. J'ai commencé par cet endroit. Pour la fouille complète de Pickham. La tour du quai a été construite pour défendre la ville des envahisseurs barbares, mais pour dire la vérité, ce n'était pas très utile. Tous les barbares qui pouvaient éventuellement attaquer Pickham vivent déjà ici. Il pourrait mieux de surveiller ce qui se passe dans la ville plutôt qu'à l'extérieur. De lapin. Alors je peux faire Alors voici le casino. Par contre, j'irai pas, je ferai rien ici. Vu que plus tard il y aura un casino bien mieux et je pourrais avoir des jetons gratuitement.
s'agit d'un journal personnel. Chaque journal aujourd'hui me suis encore rapproché de mon rêve qui est de devenir sérieuse. J'ai trouvé un magnifique costume de lapin et un joli paire de barésies, mais il me manque toujours la paire d'oreilles de lapin. Un lapin sans oreilles, c'est comme une quête sans dragon. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Je me suis acheté un diadème et je sais que je vais m'en fabriquer. Il ne me reste plus qu'à trouver quelque chose qui, une fois combiné à ce diadème, pourrait me donner une paire d'oreilles. Une belle paire d'oreilles. Je suis ici près du but. Ma petite queue de lapin frétille d'excitation. C'est ce que je suis en train de faire. Et pas moyen d'y aller ici. Ah ah, j'en peux plus. Bienvenue au club secret de Picam. Hey. Il s'agit d'un livre intitulé « C'est d'habitude des clients les plus efficaces ». Il présente les techniques permettant de commettre plusieurs petits délits parmi lesquels la cloche de bois, le battage de pavés, le rapt des vaches, etc. Rien qui semble très utile pour l'instant. Cette pièce a seulement été divisée par quelques branches et regardez combien de personnes on est arrivé à casser dedans. Je sais que ça paraît un peu étroit, mais c'est mieux que d'être dehors dans la rue, au moins on est à l'abri de la pluie. Hein. Ah, ben là.
les oreilles du lapin. On va déséquiper ce truc. De la lapin. C'est un peu le bordel, je l'avoue. Apparemment, il y a un fou qui voyage de ville en ville, c'est ancien géant, à ce qu'on me dit. C'est vraiment gentil, hein, se donner autant de mal en allant partout pour faire les gens. Ouais, il y a encore des gens bien dans ce monde. Voilà. Si tu savais... Thank you.
Well, this is Brains' gaff, but he looks like he ain't home. Ah, well, we better get back to the pub and ask the old codger what he wants to do. Pendant qu'il n'est pas là, il s'agit d'un guide intitulé Une balade dans Pickham. Pickham est généralement décrit comme la ville où la Ligue de l'Humanité a élu domicile, mais c'est une vision très partielle de cette cité. Il faut plutôt voir Pickham comme une épée double. Si vous restez un temps soit peu sur vos gardes, cette ville sera un état fantastique, que dis-je, palpitante. Et effectivement, les habitants de Pickham vivent sur le futur rasoir. Prenez le casino, les jeux sont bien entendu truqués, mais quel amusement. La voyante, elle a tort la plupart du temps, mais peu importe. Cette cherchant manteau berger, y a-t-il meilleur endroit pour finir sa première journée à Pickham que les murs de fer et des fenêtres à barreaux? Et votre visite de Pickham ne sera pas complète sans une promenade dans les rues de Mendingo. La puanteur, les gens du cru parlent de bouquet. Faut le détour. Oui, Pickham est la ville parfaite pour ceux qui mordent la vie à pleines dents. Il s'agit d'un livre intitulé La source mystique. Selon la légende, il existerait quelque part dans ce monde une source mystique capable de lever les malédictions. Il paraît qu'une seule gorgée de ces eaux sacrées suffirait à contrer n'importe quel sortilège. Je n'ai malheureusement pas encore été capable de trouver cette source. Chaque soir, je prie la déesse pour qu'elle me guide jusqu'à cette source. Mais j'ai peur que la malédiction qui me ronge ne me tue avant que je trouve cette source mystique. Déjà, on va éditer ça. On va transférer.
prend une place. S'agit d'un livre intitulé Veillance pour les nuls. Vous venez d'ouvrir la porte des mondes merveilleux de la violence et de la divination. Commençons par l'agencement de la pièce. Tout d'abord, couvrez toutes les fenêtres. Ensuite, allumez les bougies. Passez quelques étapes pour pisser là. Et le plus important, procurez une boule de cristal. Une fois que vous avez obtenu une ambiance suffisamment mystique, vous pouvez acquérir votre premier client. Très important, ne dites jamais rien de précis lors d'une séance. Dites simplement oui en prenant un air absorbé pendant que vous regardez dans votre boule de cristal. Si votre client ne semble pas convaincu, essayez de scanter quelques formules maison.
N'oubliez surtout pas de bouger les bras et de parler de brouillard qui se dissipe. Le client adore le grand spectacle. Surtout n'oubliez pas, plus vous êtes vague, mieux c'est. Les clients se chargeraient de vous chez les trous et vous ferez une clientèle en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Essayer de laisser la nuit le plus longtemps possible, ça permet de débloquer un passeur dans la ville. To get a drink. Another thing that wretched Dole Magus is responsible for. Confound him and confound this curse. But it's Medea who's really suffering. Turned into a horse just when she was betrothed to be married. Oh, you're back already. That was unduly expedient of you. So, have you found out where Dole Magus is? What was that? I thought I heard Medea. Medea? Where's Medea? She's gone. Uh-oh. Guess I should have known better. People round here don't care where you come from. They care about what you come with. Are you saying some mini hammer crook from this slum has kidnapped my daughter? Oh, keep your hair on, Grandad. Whoever it was can't have gone far. They'll still be in town somewhere. Well, we must find them then. Forget everything else. Getting Medea back is all that matters. Well? What are you waiting for? You heard me, didn't you? We must find the culprit immediately and save my precious daughter. $998, $999, $990, oh yeah, $1,000, sweet. He knows his stuff, that old merchant. He could see how much it was worth. Half inching that horse was a piece of cake. Easy dosh, Mitch, eh? Easy dosh. Hey, who's that? Oh no! You ain't the owner of that horse, is ya? So, it was you! You're the scoundrel responsible for taking the princess! Oh, what the hell! Get that monster away from me! What's it on about? What princess? I only knocked up. Who are you calling a monster? Give my Medea back right now, or suffer the consequences! Hey, easy, take it easy, I swear! I didn't know it was no monster princess or nothing! Here, have it all! This is all the dough I've got for it, I swear! Just don't hurt me! What?! You sold my daughter?! That's it! Slay this worthless wastrel!
Hold your horses, Grandad. Sorry, I mean, take it easy. This tow rag ain't good enough for the Gov's sword. All right, you. Let's hear it. Sell it down Beggar's Alley, did ya? To old Dodgy Dave, eh? Yeah, that's it. Know him, do you? Right then. Hand over the dough. If I find out you've been telling me bogies, you're brown bread. Do you hear? Look, I've been lying, mister. I swear. Here, 1,000 gold pieces. That's what he give me for it. No need to worry. The black market geezer he was talking about is a mate of mine. He'll give us back the horse princess if we give him back the dough. I mean money. Then why are we dallying around here? We must go to this geezer's shop immediately. Ah, vous voulez passer de l'autre côté, vous voulez faire des affaires, non? Après vous. Old Yangus. Ain't seen your mush round here for a while. Got some Nah, mate. Wash me hands of all that. I'm travelling round with the governor here now. But that's not why I'm here. That legless old runt Mitz was in here before selling you an awesome cart, wasn't he? It's just that we need them back. They belong to the gov here, see? Mitz only went and half-inched them. I gave him the squeeze, and he said he sold them to you. That's why we're here. You had them pinched by Mitz. You? You must be going soft, Yangus, getting stitched up by someone like him. Yeah, he was here selling the awesome cards. I gave him a good price for them. So I did have them, but I don't know how to tell you this. I sold them already. You what? Who to? We need them back, desperate like. Well, I don't know how to tell you this either. I sold them to Red. You what? Red, the old artful dodger herself? You're having a giraffe, aren't you? Sorry, Yangus, straight up. Look, it's out of my hands now. You'll have to sort it out yourself. Okay. I don't believe it. Now Red's mixed up in all this. It's the last thing I want to do right now. But we're gonna have to pay her a visit. She lives in a gaff southwest of town. Nice little pad it is. Slap bang wallop in the middle of a lake. Come on, Gaff. If we want to help the horse princess, that's where we got her head, to the southwest.
Bon, je vais arrêter ici et puis à la prochaine pour la suite.